bientôt.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le guide du collectionneur. Alors aujourd'hui, on va faire pas mal de choses. Avant toute chose, on va parler de la Nintendo 64. On va parler aussi de des manettes de 64, hein, du pourquoi c'était finalement une console pas si mal, mais que le talon d'Achille de ces machins étant les manettes. Donc pour ça, on va en parler après l'intro. D'ailleurs, il y a une nouvelle rubrique maintenant qui est la rubrique Retro News qu'on va voir tout de suite après. Vous allez voir, il y a des petites choses sympas. Je vous ai préparé un tuto qui sera diffusé en deuxième partie d'émission. Donc pour ça, c'est comme d'habitude. Ça change pas. Je vous parlera aussi des projets que j'ai pour l'émission. Des petites choses sympas qui vont arriver dans les semaines à venir. Voire même des choses qui sont déjà disponibles. Enfin, on va passer aux Retro News. Et on parlera de tout ça après. Alors, les Retro News. Alors, qu'est-ce qu'il y a de récent ? Sortie sur nos bons vieilles consoles bien foireuses, là, une carte flash compatible GX4000, Amstrad 6128 et CPC464. C'est une carte flash qui s'appelle la C4 CPC. Donc pour ceux que ça intéresse, je pense qu'il doit y avoir un petit lien quelque part sur internet. J'ai trouvé pour l'instant que des infos, donc si ça se trouve, le produit est encore en développement. Enfin. Ça, ceci étant dit, il y a encore des portages Atari Jaguar. Il y a donc un développeur du nom de Cyrano J, je me souviens plus exactement, qui est en train de développer actuellement, enfin, il est en train de porter plus d'une dizaine de titres sur Atari Jaguar, notamment R-Type, Rick Dangerous et Fuzzy. Ah, je me souviens plus. Enfin bref, que du bon titre. Et dernière news de la semaine, bon, même ça faisait déjà un petit moment, mais j'en résiste pas à vous le montrer. Une figurine qui est faite par les gens de First for Figures. Et ouais, une figurine Knights qui est en précommande. Il y a aussi une figurine Protoman qui est en précommande, mais je vous la montrerai la fois prochaine. Du coup, ceci étant dit, revenons à nos moutons. Donc, la Nintendo 64, pourquoi c'est une console pour laquelle il faut s'en méfier si on veut en acheter une? À cause de ses manettes. Bon, là, j'ai une manette normale. Vous pouvez voir que le joystick, j'ai pas besoin d'appuyer beaucoup. Vous voyez qu'il se déplace dans tous les sens. C'est pas encore le pire, hein, celui-là. Je vous dis franchement, j'ai 5 manettes de 64. Ça va, elles sont toutes à peu près OK. Mais il y a pas longtemps, je suis tombé sur un mode qui avait l'air assez intéressant, qui est en fait une modification qui permet d'insérer un joystick de type GameCube, je pense que vous pouvez bien voir comme ça, dans une manette de 64. Bon, moyennant une quinzaine d'euros, quand on voit qu'une manette de 64 en bon état, c'est facile 15-20 euros maintenant, voire plus, je m'étais dit que j'allais tenter le coup. Du coup, vous aurez un tuto sur comment réaliser ce mode. C'est très très simple, hein, vous allez voir. En deuxième partie d'émission, pas besoin de faire à souder. Un tournevis fait l'affaire, quoi, vraiment. Et du coup, comme j'ai réalisé ce petit mode, je m'étais dit que ça pourrait être l'occasion de refaire la 64. Bon, la 64, j'ai pas énormément de jeux. Donc je sais très bien qu'il y a des jeux, vous allez vous dire, bon, ça sent les fonds de tiroir. La 64, j'ai qu'une trentaine de jeux, il y en a quelques-uns qui sont très mauvais et que j'ai quand même. Tu as une manette avec le joystick qui ne tient plus, DJ Filler, justement. La préco, elle a combien, la Knight? Justement, j'ai pas vu, en fait, le prix. J'ai juste vu qu'on pouvait juste déposer un acompte de 20$, il me semble, sur la précommande. J'aurais bien aimé vous annoncer le prix, hein. Mais malheureusement, quand j'avais été voir sur le site de First for Figure en début de semaine, il n'y avait pas le prix d'indiqué. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer sur la chaîne principale. Tac. Alors, autre nouveauté. L'hashtag guide du collectionneur. Donc envoyez-moi là-dessus pendant l'émission des photos ou de votre collection ou des choses que vous avez acheté cette semaine, des jeux que vous êtes en train de jouer en ce moment. Voilà, on va essayer de faire participer un peu la communauté. Donc envoyez-moi tout ça sur l'hashtag guide du collectionneur. Enfin, guide collectionneur plutôt. Alors, premier jeu que l'on va jouer ce soir. Ah, par contre, ouais. C'est bien, monsieur Chou, mais au bout d'un moment, faut savoir ce que tu veux. J'ai pas allumé mon moniteur de retour. Je pourrais jamais jouer avec du lag dégueulasse comme ça. Un coup de Daikatana 64 qu'on rigole, non. Du coup, prendre une manette sous marque GameCube et piquer le joystick, non. C'est carrément pas possible. On verra ça tout à l'heure. Alors, confirmez-moi que le son du jeu passe bien. Et que l'image aussi. Parce que moi aussi, étrange ça puisse paraître.
J'ai rien sur ma télé. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ces embrouilles? Ah, voilà. Voilà. Par contre, il faut que, voilà, que je baisse le son sur ma télé. Sinon, ça va se mixer. Alors, on va commencer par un petit Chameleon Twist. Pourquoi Chameleon Twist? Parce que c'est un petit jeu de plateforme qui est assez sympa, qui vaut que dalle, hein. Chameleon Twist en loose, ça vaut 5 euros. Et je pense que ça peut être un bon moyen de tester, voir si justement ce joystick que j'ai modifié vaut le coup. Alors, avant tout, lisons le chat. Bon, envoyez-moi des photos hein, sur l'hashtag guide du collectionneur, qu'on puisse voir un peu à quoi vous jouez. J'ai encore une mallette 64 d'origine, mais c'est bon à savoir. Bah, vous allez voir tout à l'heure que c'est vraiment très simple à réaliser. Allez, nouvelle partie. Alors, j'ai vu qu'il y avait Pyro dans le chat. Regarde, Pyro, dans le jeu, enfin, dans Chameleon Twist, je joue Fred. Mais j'ai vérifié, il fait pas des blagues foireuses. Alors, par souci de setup, maintenant, comme il y a le hashtag, le chat, je l'ai sur ma tablette, donc vous étonnez pas si je baisse la tête. Donc oui, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau dans les prochaines émissions? Plein de choses. Normalement, la semaine prochaine, j'aurai un invité. Il y a quelqu'un qui habite par chez moi, qui est un gros collectionneur Neo Geo. Et j'ai réussi à le convaincre de venir dans l'émission, donc je suis en train de mettre ça en place. Donc on aura des invités, elle, dans les prochaines émissions. Et les semaines où il n'y a pas de tuto, ou alors les semaines où il faudra faire quelque chose un peu différent, eh ben je vous ferai participer, vous qui êtes dans le public, en réalisant des petites interviews via Skype de 4-5 minutes, pour nous expliquer, pour que vous puissiez partager avec la communauté sur comment vous collectionnez, quel genre de pièces vous affectionnez particulièrement, et surtout, quelles sont les meilleures affaires et surtout les... Enfin, on parlera un peu de tout ça. On essaiera de voir un peu comment mettre ça en place. Voilà. Vous voyez, pour l'instant, ça se passe pas trop mal hein, avec cette manette. C'est précis, juste ce qu'il faut. Il n'y a pas d'embrouille. Alors, non. Voilà. Hop là. Par contre, il faut que je m'habitue au nouveau setup. De ne pas avoir le chat devant moi, c'est un peu perturbant. Alors moi qui voulais faire un spécial Sunsoft un jour, je pense qu'on fera un spécial Sunsoft, mais sur Super Nintendo, ça peut être sympa. Il y avait pas mal de bons jeux. Des mallettes de 64, ça se trouve encore, hein, mais malheureusement, avec des joysticks morts, et comme malheureusement, pour tout ce qui est bazar d'occasion, dans certains coins de France, il n'y a plus vraiment des bonnes boutiques indépendantes. Alors du coup, c'est un peu chiant pour trouver ce genre de choses. Donc vous devez vous rabattre sur les Easy Cash, Cash Converter et machin. Et eux, ils abusent sur les prix. Donc ils vous vendent une manette, en fait... Ah, j'étais trop près. Voilà. Une manette morte à 15 euros. Mais bon, si toutefois au marché aux puces vous trouvez une manette de 64 avec un joystick défectueux, on verra après déjà comment installer ce fameux nouveau joystick type GameCube. On verra ça en seconde partie d'émission. Alors, Moa, qu'est-ce que c'est que ce jeu? What, en 30 secondes. Ouf! Belle prise, Moa, belle prise, j'avoue. J'avoue. Alors, c'est dur à trouver des infos. Cherche un moyen de streamer ma PS2 directement sans la capturer. Il y a l'adaptateur réseau, je ne sais pas si c'est possible de coup. Tu prévois du Marvel et du DC pour une battle console, Monsieur Chou? Oui, totalement. Quoi d'autre? Oh, Pierrot, il raconte des conneries, mais ça, j'ai l'habitude. Quelqu'un achetait déjà des mallettes de 64 sous marque vendues en magasin? Oui, j'en ai acheté. J'en ai une que j'ai fini par jeter à la poubelle. Elle est horrible. Et on verra dans les prochaines semaines comment réparer carrément les joysticks de Nintendo 64.
Je pense avoir trouvé une méthode, je pense avoir trouvé un truc. Il faut voir si ça va durer sur la longueur. J'avoue que... Ce que j'ai pu tester... Disons que celui que j'ai enlevé dans cette manette-là... Ah zut! J'avais oublié qu'il fallait rester agrippé. Et pour avoir testé ce nouveau joystick avec près d'une vingtaine de jeux, le seul jeu où j'ai trouvé le joystick pas si confortable que ça, c'était GoldenEye. Mais si vous avez vu le... Ah, j'ai fait n'importe quoi. Si vous avez vu le premier guide du collectionneur Nintendo 64, vous devez savoir que la 60... que GoldenEye, c'est pas un jeu que j'aime bien. Alors pourtant, je sais que le jeu a ses fans et quelque part, je ne crache pas là-dessus. Punaise, je fais vraiment, vraiment de la merde. Je vais essayer de pas faire l'excuse du je lisais le chat. Ça, c'est une excuse que je fais souvent. Alors après, le joystick que j'ai monté, je me suis aperçu qu'il était en vente. Bah moi, je l'ai acheté sur eBay. En fait, j'ai trouvé par hasard. Et j'ai vu qu'il était en vente sur Otaku Store, je crois, un truc comme ça. Donc, si jamais vous voulez pas commander sur eBay, vous savez très bien que... Ah zut! En plus, c'est le passage que j'aime pas. On va essayer de faire ça. Propre. Hop! Donc vous voyez que même pour les passages, en fait, dans l'idée où il y a besoin d'une grande précision, ce mode se vaut totalement. Et c'est tellement, tellement simple à réaliser. Je me souviens plus comment il faut les avoir. Ah ouais, oui, effectivement, ouais. Avec les... Voilà. Les under control, non, franchement, c'est pas bien. Sans déconner. J'en ai eu une pour Super Nintendo que j'avais eu gratuitement. Waouh! Ok. Voilà. Parfait. Du coup, je vous ai fait une petite sélection assez sympa. Et à part un jeu où je pense à pas être trop la hype. Mais pour contrer aujourd'hui le Day One sur Mario Kart, on va faire du Mario Kart 64. En fait, pour être franc avec vous, j'avais totalement oublié que c'était aujourd'hui que sortait le DLC Mario Kart 64. Ce qui explique pourquoi vous êtes moins nombreux aujourd'hui que les semaines précédentes. Voilà, on va essayer de pas faire n'importe quoi. Eh oui! Ça, je le sentais. Alors, les sticks de 64 seuls pour réparer, j'en ai acheté un sur eBay à 5 euros et quelques, il y a quelques temps. Il faut savoir que c'est tellement merdique que j'ai même pas osé vous le montrer. Le joystick, il a tenu 2 jours. Et pourtant, moi, la 64, j'y joue jamais. Le joystick a tenu 2 jours. Alors, du coup, bah, voilà quoi. C'est un peu moyen. Voilà, c'est bon, on est passé. Ah ok, le Day One DLC se finit à 20h, je savais pas. Mais j'avoue que j'avais totalement pas calculé que c'était aujourd'hui. Du coup, bah, j'avais mis du Mario Kart 64, et bah, il y aura quand même du Mario Kart 64. On fera aussi du Mario Party, parce que Mario Party en fin d'émission, ça peut être bien. Histoire que j'ai bien le temps de lire le chat. Mais je crois qu'à la première post-pub, je vais essayer de m'arranger pour afficher le chat sur l'écran. Parce que là, sur la tablette, c'est juste impossible. Ah oui, le premier boss, lui, il est assez rigolo. Oula! Ah zut! Autre aussi chose qu'on va parler aussi, le prix des extensions pack sur 64.
qui monte en flèche depuis un petit moment. D'ailleurs, j'ai vu qu'actuellement, c'est plus 35 euros que 25. Il fut un temps où, justement... Mario Party, justement, ça permettra de tester si voir vraiment si ce que j'ai fait, ça va tenir. Ah, tu peux annihiler mon feed Twitter, moi, il n'y a aucun problème. Allez-y, n'hésitez pas à bourrer. Ah non. Non, par contre, Monsieur Chou, ouais, voilà. Stage quit, voilà. C'est pas n'importe quoi. Hop. Alors, attendez. On va prendre le temps de lire le chat. Mario Party, fais pas le con avec tes sticks. Toi, tu as de la chance, tes sticks tiennent. Bah, dans l'idée, ça peut arriver. La manette que j'ai là, le stick est encore totalement valable. Mais pour en avoir démonté un il y a pas longtemps, et d'ailleurs, je pense que je vous montrerai un jour, ce qui se passe à l'intérieur, je vais vous expliquer. Vous avez en fait deux mécanismes qui viennent frotter les uns sur les autres. Ils sont tenus normalement. Enfin, pour éviter qu'il y ait du grincement et du frottement, normalement, ces mécanismes sont, comment dire... Voilà. Ces mécanismes sont, je vais pas dire lubrifiés, mais il y a une sorte de graisse, en fait, dedans, pour éviter que les mécanismes viennent à grincer. Parce que là, c'est logique. Hop. Ouais, je crois que c'est là où il faut aller. Que j'ai un peu joué au jeu hier. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Il faut les attirer au centre et faire l'attaque tourbillon, je crois. Voilà. Voilà. J'avoue que ce petit jeu, Chameleon Twist, est un jeu fort sympathique, qui coûte en plus pas cher, qu'on trouve relativement souvent. Mais c'est le genre de jeu, j'aurais tendance à dire, qui aurait été peut-être mieux encore sur PlayStation, avec une vraie bande-son de qualité CD. Enfin, ce n'est que mon avis. Sachez que dans les semaines à venir, vous aurez un tuto Game Gear aussi pour les condensateurs, que j'ai d'ailleurs mis en ligne sur ma chaîne YouTube. Ah. Ah. Ah, salopard. Salaud. Ah oui, c'est vrai, faut attendre, je crois, ici. Faut... C'est vrai qu'il y aurait eu moins de clipping, quelque part, si ça avait été... Oh, quoi que non. Salut Crydim, hein, salut tout le monde. Désolé, mais mon setup du soir me permet pas vraiment de lire le chat comme d'habitude. Je vais essayer de corriger ça à la première post-pub. Donc comme maintenant, j'ai le tweet, j'ai le hashtag maintenant qui tourne derrière. Ouh. Super photo d'ailleurs, l'ami Beyond. Hein. Ah zut, voilà. C'est pas n'importe quoi. J'avoue que ce passage du jeu est assez chiant.
Mais si vous avez, si vous avez l'occasion de vous y frotter à ce jeu, hein, c'est vraiment très bien. Oula, désolé par contre, on va cogner dans le micro une fois de plus. Par contre là, je suis un passage. Ah, salut la petite pelle. Là, je suis un passage où je me souviens plus du tout ce qu'il faut faire. Ah, bah oui, c'était... ouais. Fallait tout absorber. Hop. Donc oui, la semaine prochaine, on devra avoir un invité pour le spécial Neo Geo. On parlera donc Neo Geo AES, MVS, le slot consolisé MVS. On parlera de tout ça. Moi, c'est bien parce que quelque part, moi, la Neo, même... je suis pas... pas que je suis pas un grand fan, c'est que je suis pas un spécialiste. Bon app, Pierrot. Merci d'être passé, en tout cas. Alors, le problème quand tu joues à un jeu que t'as pas joué beaucoup, c'est qu'il y a des fois, tu sais plus exactement ce qu'il faut faire. Ah zut! Oh pfff. Ouais, y'a que moi pour faire ça. Mais bon, maintenant vous avez l'habitude. Wow, on continue à passer comme ça. Voilà. Alors, comment on passe ici? Peut-être s'approcher plus du bord? Ouais. On va y arriver. Ah, moi j'avoue que la Neo, je l'ai eue il y a 3 ans. Hein. Il y a 3 ans, je l'ai revendue. Parce que la console, elle me faisait chier, j'y jouais pas. Ah non, là. C'est chiant. Autant que le joystick est assez précis que... j'avoue, le jeu, parfois, est assez chiant. D'ailleurs, en fait, ce mode que je vais vous présenter dans le tuto et dans la seconde partie de l'émission, c'est totalement inspiré des manettes Ori pour Nintendo 64, qui sont très appréciées des speedrunners. Manette que je ne connaissais pas, c'est d'ailleurs monsieur Bogard qui m'en a parlé il y a... je crois que c'était avant-hier. Alors là, ça va être chiant. Déjà, quand ils sont tout seuls, c'est déjà pas évident. Ah putain. Ah, mais accroche-toi. Et puis pas pouvoir lire le chat, ça me perturbe. Ça me perturbe aussi, hein. J'avoue. Enfin, je pense qu'il reste un petit quart d'heure avant la première coupure pub. On va peut-être changer de jeu. Avec un jeu qui est beaucoup moins hype, mais que j'avais envie de vous montrer. Alors, je suis sûr qu'il y a moyen de bricoler un expansion pack cafetière, ouais, c'est possible. Hop! Oui, le fameux délire de la PS2 qui pourrait servir à balancer des missiles, oui, j'en avais entendu parler de ça. Alors maintenant, on va jouer, avant la pub, à un petit jeu que moi, perso, je trouve assez sympathique. J'allais dire s'il veut se lancer, mais il veut se lancer. Qui est Magical Tetris Challenge, ou Tetris Magical Challenge. Ouf. Oh nom de Dieu, ça criait dans mes oreilles. Bon voilà, on va jouer en mode histoire. Comme ça, moi, j'aurai bien le temps de lire le chat, c'est bien. Ouais, pour la Neo, de toute façon, quelque part, je voulais un invité.
Parce que je suis absolument pas... pas spécialiste du truc. Et puis de toute façon, ça fait un moment donné que je cherchais... comment dire, avoir des invités. Bon, faut savoir que j'ai relancé quelques invitations cette semaine, dont deux personnes. Je pense vraiment que ça peut être sympa de les avoir. Malheureusement, les deux, malgré leur présence sur Facebook et Twitter, n'ont pas daigné à répondre. J'ai envie de dire, ben, la porte reste ouverte, mais tant pis pour eux. Et ça, quelque part, c'est dommage. Mais ce petit jeu Tetris Disney est assez sympa, faut l'avouer. Par contre, vous allez comprendre qu'il y a des choses dans ce jeu que, personnellement, je n'ai jamais compris. Donc, on est maintenant sur un jeu Tetris que je qualifierais de moderne. C'est-à-dire que vous avez maintenant... Le jeu est quand même beaucoup moins rigide que celui sur Game Boy, pour commencer. C'est déjà un bon point. Mais il n'y a toujours pas la possibilité de mettre un Tetromino dans la banque. Et ça, c'est nul. Ça, franchement, c'est... L'idée la plus stupide de l'univers, c'est de pas intégrer cette notion. Et visiblement, chez Capcom, ils se sont dit, nous, on en a rien à battre. On a la licence Disney. On va pas chercher plus loin. D'accord, en fait, là, je fais totalement n'importe quoi. Pour changer. Pour changer. Ah, faudra pas montrer ça à Sephiroth, hein, sans déconner. Faudra pas montrer ça à Sephiroth. Mais le jeu en lui-même, il est sympa, mais il est pas baisant. Surtout qu'ils ont ajouté des trucs dedans, voilà. Comme des Tetromino comme ça, moi pour moi je trouve qu'ils ont un peu une forme obscène. Ils sont tout déformés, tu sais jamais ce que tu dois en faire. Et en plus, autre chose qui dans ce jeu, moi personnellement j'aime pas. Mais il fallait prendre aussi de temps en temps, il faut se faire violence et jouer à des jeux que l'on n'aime pas. C'est que les parties, elles sont interminables. Mais vraiment, pff. Les parties sont longues pour, à mon avis, pas grand-chose. Ouais, là, par contre, si j'avais mieux lu le jeu, j'aurais pu faire quelque chose de bien. Alors là, à partir de maintenant, vous avez des blocs, point d'interrogation. Et là, c'est une série de blocs de merde qu'on va vous envoyer. Mais parfois, voilà, bon là, je sais pas pourquoi... Oula, ça parle des... Bon, au moins on aura fait un Tetris, c'est déjà ça. Mais le jeu, il est monotone, il est lent, il manque de rythme. Mais c'est un jeu Tetris. Et encore, vous avez pas vu le pire. À partir de là, vous avez en fait voilà. Vous allez avoir des blocs, point d'interrogation, voilà, ces blocs-là. Putain, tu sais jamais ce qu'il faut en faire. Normalement, là, tu peux faire une... Non, pas avec ce bloc-là. J'ai réagi trop tard. Ouais. Ok, au moins là, je peux lire le chat, c'est bien. Oula, ça parle de bricoler une PS2 pour la streamer. Autant que tu achètes une carte de capture et un bazar comme le mien, le SCART ou HDMI converteur, ce qui est encore le mieux. Je vous dis franchement, c'est encore le mieux. Mais je vous rassure, hein, après la pub et pour le reste de l'émission, on aura des bons jeux. Je voulais vraiment vous le montrer celui-là parce que bon... l'artwork est... Somme toute assez jolie. Et c'est parti des jeux justement où tu dois pas te fier à la qualité de l'artwork. Pourtant c'est fait par Capcom. Mais le jeu, je l'avais même essayé en versus à l'époque. Pouah, là, 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 là. C'est monotone, c'est lent. Et l'équilibrage du jeu,
la distribution, elle est immonde. C'est pas non plus le pire jeu de Tetris, convenons-en, mais c'est loin d'être ce qui se fait de mieux. Voilà, là par contre, étant donné qu'il n'y a pas la banque, voilà. Là, il va m'arriver des merdes, je le sais, voilà, ces blocs... voilà, qu'est-ce que tu veux faire de ça? Mais en fait, ces blocs en forme un peu débile, c'est ça qui te tue le plaisir du jeu. D'ailleurs, ça ne veut rien dire. Parce que Tetris vient de Tetra, qui signifie 4, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc si des fois, t'as des blocs qui font 5 cases, ça veut rien dire. On est bien d'accord là-dessus. Là, je suis obligé de jouer en faisant hyper attention à la distribution pour pas me faire avoir, étant donné qu'il n'y a pas la banque, enfin, il n'y a pas ce qu'on appelle le hold, il n'y a pas ça. Quoique, je me demande si déjà à cette époque-là, le hold ça existait dans les autres jeux Tetris. Voilà, maintenant vous avez ces blocs de merde qui vont venir, puis qui vont faire la moitié de l'écran. Bon, c'est bon, on a eu du bol. Ça manque de Puyo, honnêtement, oui. Hashtag guide collectionneur, ouais. Ah oui, Xeno, je crois que c'est toi qui suis le stream en 360p, du coup. C'est peut-être pas très lisible. Oula. De toute façon, on va pas s'attarder sur ce jeu. Parce qu'il est pour le coup assez chiant. Mais dans 5 minutes, on va envoyer les réclames. Et après les réclames... il y aura le tuto pour bricoler les manettes. D'ailleurs, après le tuto... c'est pas après le tuto, on peut en parler tout de suite. Les VOD... elles arrivent au compte-gouttes sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner. Il y a déjà la première VOD qui est mise en ligne. Enfin, la première VOD... c'est pas vraiment la première, c'est celle de l'épisode 2. L'épisode 1 avait un gros problème de son. Faudrait que j'essaie de régler ce problème. Voilà. Un petit Tetris, ça fait du bien. Oula, il y a du lourd là. Il y a du lourd. Je regarderai bien ça pendant la pub, mais il y a du lourd sur les photos qu'on vient de m'envoyer. Darky Holmes, d'accord. Voilà. Ok, c'est parfait. C'est parfait, je fais n'importe quoi. En plus, il y a des jeux Tetris où, vous voyez, avec la distribution, elle est parfois pas super juste, mais c'est fait en sorte pour que si tu fais une erreur, tu vas pouvoir la rattraper. Dans ce jeu, c'est non. Définitivement... après, il reste rigolo à jouer, mais... parlez-moi. Bon, après cette partie-là, on va envoyer les réclames. Oula, d'accord, ouais. Là, c'est la fameuse disparition inexpliquée. Ok, là, ça commence à se remplir. Faut envoyer quelque chose de l'autre côté. Commence à être chaud. Voilà. Enfin, commence à être chaud. Y a rien. Les... ah ouais, si. Ouais, il peut envoyer du lourd quand même. Enfin. Si dans 2 minutes, on n'a pas terminé cette partie. On laissera ça comme ça. Et on jouera derrière. Et ben... à Mario Party. On gardera Mario Kart 64 pour la fin. Parce que pour le coup, j'avais vraiment pas calculé que c'était aujourd'hui le Day One.
Ouais, du coup, vu ce qu'on m'envoie dans la tronche là. Ouais, quoi qu'en face, il est pas. Il est pas si bien en point que ça. Hein. Oh là là, c'est chiant. Il est chiant ce jeu. Allez, puisqu'il est chiant, je vais pas vous infliger ça plus longtemps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer la première pub avec un peu d'avance. Comme ça, moi, je vais pouvoir refaire mon setup et afficher le chat parce que là, comme ça va pas. Allez, pub et on revient après pour le tuto, justement, pour installer le joystick type GameCube dans la manette de 64. Vous allez voir que c'est hyper simple.
De retour pour la deuxième partie du guide du collectionneur Nintendo 64, alors que revoilà la, non pas la sous-préfète, mais la publicité. Désolé, il y a encore une pub qui traînait. Pourtant, je pensais avoir bien timé mon truc. Enfin voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer maintenant pour le tuto. Donc ça dure 4 minutes, je pense. Et on revient après en attendant. N'hésitez pas à réagir dans le chat, je répondrai à toutes vos questions. A tout de suite. Et ben ouais, on y est, on va modder cette manette de 64, donc le joystick est un peu mort, pour mettre un joystick de type GameCube, qui lui fonctionne très très bien. Donc pour ça, et ben il faut un bon vieux tournevis des familles, on va ouvrir le bazar, et on revient dans quelques minutes. Alors... Il ne faut surtout pas oublier qu'avec la manette de 64, il y a donc deux vis ici dans le port, non pas d'Amsterdam, enfin vous m'avez compris. Donc pour installer déjà le futur nouveau joystick, il va falloir se débarrasser, débrancher d'abord ce bazar là, ce bidule là, l'enlever. Bah, écoutez, je vais m'atteler à faire ça, et puis bon, on revient tout de suite. Alors du coup, on a enlevé l'ancien. D'ailleurs, je vais l'ouvrir après pour vous montrer en fait comment ça se fait que les joysticks de Nintendo 64 sont aussi moisis avec le temps. Alors, le nouveau vient tout pile là. Ça semble parfait tout ça. Par contre, avant, voilà, il y a ça à faire. Il y a la petite PCB à remettre. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver du premier coup devant la caméra en faisant ça limite d'une seule main, c'est pas grave, hein. Rassurez-vous, c'est juste le bouton qui est tombé. Alors, c'est là, on va voir si on a un peu de chance, et apparemment, on n'en a pas. Donc voilà, on va la faire glisser peut-être. Non. Ouais, je vais prendre mon temps de faire ça correctement, et je reviens après. Alors ma foi, c'est ce genre d'histoire où je coupe la caméra pour dire de faire du travail propre, et en appuyant un petit peu, et ben, c'est rentré pile poil dedans. Alors maintenant on va essayer de me rentrer ce petit câble ici. Alors en fait, pourquoi je fais cette modification un peu Frankenstein? Alors est-ce que je ne le mets pas à l'envers? J'ai l'impression que si. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus comme ça, c'est pas une impression... Voilà. Pourquoi je fais ce genre de modification? Parce qu'en fait, la 64 est une console que je collectionne très peu. Ben, je dirais pas essentiellement à cause de son joystick tout moisi, mais ça a une incidence. Pourquoi? Parce que, étant donné que j'ai des manettes qui sont en bon état, mais que j'ai peur de les bousiller, ben, j'ai pas tellement envie de jouer en fait sur la console. Je me dis à chaque fois que, ben, dans l'idée, si c'est pour avoir acheter des jeux et puis pas y jouer parce que j'ai peur de flinguer une manette. Et là, en fait, j'ai trouvé ça, en fait, par hasard sur eBay. Et ça m'a semblé être une bonne idée. Donc, ouais. Histoire de faire encore du beau boulot, je vais remettre les vis. Et puis, on va ouvrir, en fait, l'ancien joystick avant de remonter tout ça. Histoire de vous expliquer encore quelques petites choses. Alors, je ne l'ai pas encore testé, mais il y a une chose, déjà, qui frappe aux yeux. C'est que ça semble quand même déjà tout de suite beaucoup plus sérieux. Bon, je vous ferai un test après en branchant la console. Et comme je m'aperçois que ma batterie, elle est sur le point de mourir, je pense qu'on regardera à l'avenir comment ça se fait en fait que les joysticks de 64 sont très souvent défectueux. Bon, celui-là encore, il était un peu moribond, mais c'était pas le plus pourri que j'ai jamais vu, mais en tout cas... Je dois avouer, sans avoir testé pour l'instant, que ben, cosmétiquement, ça se vaut, et ça semble plutôt confortable. Donc je coupe maintenant, et je vais vous faire un dernier petit test en vidéo, histoire de voir quand même si tout ça a bien fonctionné. On va tester du coup ce fameux joystick avec un petit jeu des familles, donc un petit Camelon Twist. Un petit jeu que d'ailleurs je vais vous présenter dans l'émission un de ces jours. Si ça se trouve, au moment où la vidéo sera diffusée, le jeu, je l'aurais déjà montré. Mais enfin, c'est pas bien grave. Du coup, moi, ça permet de voir un peu, voilà, en termes
de précision ce que ça donne, parce que c'est quand même un jeu qui nécessite quand même un peu de précision, et c'est très bien, j'ai pu tester avec Mario 64, entre autres, j'ai pu tester avec Mario Kart, j'ai testé aussi Mario Party, j'ai testé vraiment pas mal de choses, et je dois avouer que ça fonctionne vraiment très bien. Petite déception que j'ai eue étant en jouant à GoldenEye, mais GoldenEye étant un jeu qu'à la base j'aime pas tellement, il faudrait que je fasse tester à quelqu'un qui justement aime le jeu pour vérifier si du coup ça vaut le coup ce bazar. Ouh, c'est passé quand même. Donc vous voyez, en termes de précision, je pense que c'est vraiment très très bien. Enfin voilà, c'était donc un petit tuto, une petite vidéo assez marrante sur cette modification de manette Nintendo 64. Et ben on retourne maintenant à la suite de l'émission. Ah voilà. Donc maintenant, on va tester du Mario Party. Parce que Mario Party étant un jeu qui a ruiné énormément de joysticks sur 64. D'ailleurs, je vois que Darky Holmes vient de tweeter et qu'il y a le Castlevania sur 64. Ah, GoldenEye, vous pouvez l'aimer sur 64, c'est pas le problème. C'est que moi, j'ai jamais aimé le jeu à l'époque, faut être honnête. Et encore maintenant, c'est un jeu auquel j'ai toujours eu du mal à y jouer. Parce que jouer à un FPS avec une manette, quand t'as pas deux sticks analogiques, pour moi, ça relève du non-sens. Voilà. Voilà pourquoi j'ai du mal à jouer à GoldenEye. Enfin, ceci étant dit, Mario Party, qu'est-ce que ça vaut à l'Argus actuellement? Ça vaut facilement une trentaine d'euros. C'est un jeu que l'on m'a donné. Et justement, comme dit Walex, c'est l'heure du benchmark de joystick. Je pense que ça va permettre de voir un peu. Alors, que tu veux faire écouter? Non, débuter l'aventure. Je suis un vrai, j'écoute pas les règles du jeu. Alors, voilà, un joueur 3h10. Wario, tant qu'à faire. Après, j'ai testé avec quoi? J'ai testé avec quoi aussi? J'ai testé avec Mario 64, où j'ai joué plein de parties de la soirée. J'avoue que c'était très bien. Ah ouais, Mario Party, c'est facilement 30€ en loose. Hein. Ah oui, la cote en boîte, je pense que même actuellement, on s'approche des 50€. Hein. C'est juste n'importe quoi. Et dire qu'on en est au 10e, ouais. C'est vrai qu'ils sont allés un peu loin quand même, Nintendo, avec les Mario Party. J'avoue. L'argent est donc tombé. Allez. De toute façon, là, pendant la prochaine demi-heure, j'ai mis un jeu exprès pour pouvoir lire le chat à l'aise, tranquille, et pour pouvoir aussi qu'on teste ensemble. Vous permettez de voir quand même que finalement, c'est pas vilain ce joystick. C'est vraiment pas vilain. Après, Mario Party, je vais être honnête avec vous, celui-là, je n'y ai jamais joué. Voilà, comme ça au moins, ceci étant dit. Après, ce genre de machin, j'ai vu qu'il y en a en vente chez Otaku Store. Moi, le mien, je l'ai acheté sur eBay, ce petit joystick. D'ailleurs, mon facteur a essayé de le foutre en force dans la boîte aux lettres, ce qui, ma foi, est génial. Marcus Sandgohan. Ouh. Pas mal de jeux PS3, ça a l'air sympa. Ouais, il y a une 3DS Zelda dans le lot. Si je vois bien sur la vignette. C'est pas que c'était mieux avant, hein, j'en sais rien vraiment pour les Mario Party, c'est juste qu'ils ont été loin. Hein. Oula, j'ai fait un, parfait. Et là, vous allez comprendre que dans les jeux de société, moi je suis celui qui n'a jamais de chance. Et dans un jeu comme Mario Party, où il y a très souvent de la RNG, vous allez comprendre un peu. Il y a un malaise qui va s'installer d'ici quelques minutes. Vous allez voir que je suis le gars le plus poissard de la Terre quand il s'agit de jouer à Mario Party. Quoi que je dis ça, quand j'avais joué, quand le 10 était sorti, quand j'avais fait une soirée là-dessus, en chaîne perso, j'avais joué contre Nounours, j'avais gagné.
Enfin, celui-là, si j'ai choisi, c'est déjà parce que c'est un jeu qu'on m'a offert. Je sais pas, dans l'idée... C'est Mario Party, hein, effectivement. Donc, dans l'idée, si vous avez des potes qui vous offrent des jeux, quand on vous offre un jeu à 30 euros, c'est déjà un peu fou. Et puis aussi, ça, comme c'est un jeu qui, paraîtrait-il, a explosé énormément de joysticks, je m'étais dit que la meilleure façon étant de tester ce joystick sur le jeu. De lancer de dés 2x1. Là, c'est bien. Trésor maritime, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est vrai que le jeu est pas traduit entièrement. Hein. Game rules. Plonge à la mer et ramène des coffres au trésor avec... pas pour plonger. Ok, d'accord. Donc, ah, c'est le bleu. Hein. Je vérifie quand même parce que... Faut les ramener au bateau, je crois, hein. Non, faut les ramener à la surface, ok. D'accord. Et ça, je veux rusher. Ah, mais oui. Rush pas. Non, non, non. Prends ton temps. Parce que ce coffre, il a l'air... Ah ouais, mais la poulpe, elle me suit. Casse-toi la poulpe, voilà. Non, le requin. On va y arriver. Voilà. On va essayer de piquer un coffre. Avec mon pote, on s'est fait tellement d'ampoules sur ce jeu. Et voilà, dans l'idée... Pour avoir testé vite fait hier avec un joystick normal, déjà c'est plus confortable, parce qu'en fait la course en fait qui détermine le joystick, elle est beaucoup plus courte. La tige du joystick, elle est beaucoup plus large, ce qui fait dans l'idée... Salut Akira. Ce qui fait que dans l'idée, en fait ce truc, il a peut-être pas la précision de la manette 64 originale, mais c'est très bien. Par contre, en nombre de pièces, ouais je suis deuxième. Enfin, je suis premier ex-aequo même. Autant que j'ai eu la poisse quand même. Enfin, comme ça, au moins, ça va permettre le... En fait, si j'ai mis Mario Party aujourd'hui, c'est tout simplement aussi parce que j'avais pas forcément beaucoup d'autres jeux sur 64. J'en ai qu'une trentaine et j'ai... Si c'était pour streamer Super Mario 64, ça servait à rien, fallait être honnête. Donc il fallait du bon jeu. Au cas où, à un moment donné, on s'ennuie. On mettra Pokémon Snap pour le délire, mais j'ai pas tellement envie de vous le montrer. Mais en dernière partie, on mettra un jeu que tout le monde a eu, et que justement on est bien d'accord qu'il faut de la précision pour y jouer. C'est donc Mario Kart 64, là, je pense que ça fait partie des imbloquables. J'essaie entre temps de regarder la photo de Marcus Sangohan pour voir ce qu'il y a exactement dessus. Mais en tout petit, sur mon tweet deck, c'est compliqué. Après, le Castlevania 64 étant un jeu que j'ai eu à l'époque et que j'aimais pas. Sans qu'il y ait encore cet aspect « je crache sur les mauvais jeux de l'époque » qu'il y a maintenant chez beaucoup de collectionneurs. Mais c'est un jeu, d'ailleurs, Castlevania 64, qui vaut quand même un peu de pognon. Hein. Pokémon Snap, il est sympa. J'avoue, j'y ai rejoué en fait juste hier, histoire de m'amuser un peu. J'avoue que c'est sympa. Il y a juste un truc qui fait chier, c'est les musiques qui sont un peu plates. Le truc avec le stick GameCube, c'est beaucoup plus précis que celui de 64. Justement, il existe une manette Ori, dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Il existe une manette faite par Ori. Alors, en fait, fait partie de l'orchestre et dirige... l'instrument avec un garde le rythme pour jouer juste. Ouais, ça va être la merde, j'ai jamais joué à ce jeu-là avant. D'accord, et en plus, c'est moi qui... Et toi qui es toujours dans les bons plans, est-ce que tu as déjà craqué pour un jeu cher que je voulais absolument? Radiant Silver Gun. La petite pelle. Radiant Silver Gun. Star.
Comment ça joue ce truc? Waouh! Ok, je sais même pas si j'ai réussi ou pas. Oula, il y a plein de photos sympas aujourd'hui. Hein. Mine de rien, je regrette pas d'avoir mis le hashtag aujourd'hui. Combien? 0 étoile pour tout le monde. Ok. Carmageddon est assez sympa sur 64. Après, la version, elle est énormément censurée, si ma mémoire est bonne. Conker, ouais. C'est un jeu que j'ai failli craquer. Il y a pas longtemps. Mais. What? Il y a eu Castlevania chez Milo & Chibi à 4€? Oulalalalala. Eux, va falloir que je les relance hein, pour qu'ils viennent dans l'émission un de ces jours. J'ai des gens avec qui je suis en bon terme, hein. c'est des potes à moi, ils sont assez sympas. Je les avais invités une fois, mais ça n'avait pas pu se faire. Je vais leur relancer une invite. Conker 115€, frais de port compris, juste la cartouche, ouais. C'est malheureusement le prix, hein. Conker actuellement c'est 100€. Hein. Mais Conker, après, il existe une réédition, certes, qui a été un peu censurée, mais qui est graphiquement moins daté, on va dire, sur la Xbox. Moi, j'ai la réédition, c'est pas mal. Hein. Continuez d'ailleurs à m'envoyer des photos hein, de votre collection, ou des jeux que vous jouez en ce moment. On peut voir la carte, voilà. Je suis où, moi? D'accord. Ok. Luigi, Peach Wario. Waouh, je suis là, moi. D'accord. Allez, on passe par là. Oh, punaise! Je me doute que t'étais content, un petit Castlevania à 4€. Carmageddon au B en 15 secondes. Ah, le Castlevania 64 est un jeu que je vois dans beaucoup de boutiques à des fois des prix un peu fous. Alors, les flèches indiquent le chemin vers le trésor. Le tapote A pour creuser. A actionner, B creuser. Ah ouais, c'est un jeu où il faut bourrer. Pousse-toi la blonde. Voilà. Finish. Ah, le Virtual Boy en boîte. Ouais, j'ai failli en avoir un. Salut Poulpizator. J'ai failli en avoir un il y a quelques temps, hein, de Virtual Boy. Malheureusement, ça s'est pas fait. C'était un pote qui devait m'avoir ça par un pote qui connaissait un pote. Tu vois, vous voyez un peu le genre d'embrouille. Mais finalement, ça s'est pas fait. Je regrette pas vraiment. Je regrette pas vraiment de... pas l'avoir eu. Oh, premier en nombre de pièces, mais mal placé sur la carte, et il va me tirer toutes mes pièces, lui. Non. Ça va. Il m'en a tiré que 5. Ah, le Virtual Boy, tu peux pas jouer plus de 15 minutes. Après, j'aurais pu faire aussi du Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie. C'est des jeux que j'ai, mais que je connais pas suffisamment pour les mettre dans l'émission. Donc, quelque part... Ouais, c'est vrai que Luigi, tu crées en... il a la pancarte en bas à gauche et lui, il va à l'opposé. Ouais, c'est vrai qu'il faut... il faut prendre un sac à vomi pour le Virtual Boy. J'avoue. Mais bon, dans les grandes lignes... Ah merde, j'ai pas le temps de lire les lignes. Ah bah c'est bon, c'est pas moi qui joue. C'est un jeu pour ça, le gueux. Donc c'est bien. Donc dans les grandes lignes, moi je suis assez content de cette modification de joystick. Ah oui, d'accord, ok, moi je viens de comprendre le but de ce mini-jeu.
Bon, je suis assez content de cette modification, parce que c'est vraiment très simple à faire. Ce qu'il y a, c'est que ça vaut un peu de prix. Mais quand vous voyez le prix d'une manette de 64, les fameuses manettes Ori, c'est facilement 50 euros. Et encore, c'est pas distribué en Europe, faut les importer du Japon. Donc, frais de port et frais de douane inclus, t'arrives à 80 boules la manette facile. Ouh là 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 là, un beau Virtual Boy. Est-ce qu'il fonctionne correctement, ton Virtual Boy ? Je sais que beaucoup de Virtual Boy ont des problèmes d'écran qui sont parfois dus au condensateur, parfois dus à la nappe qui connecte l'écran à la carte mère. Et ça, justement, vous aurez un tuto là-dessus un de ces jours. Pour ceux qui ont été voir d'ailleurs le tuto rapide pour les condensateurs Game Gear, vous pouvez voir qu'à la fin, j'ai réparé la Game Gear, mais qu'elle avait un problème d'écran. Et j'ai retrouvé hier ce même problème. En fait, hier, je me faisais un peu chier hier soir. J'avais préparé l'émission d'aujourd'hui. Et j'ai... Comment vous dire ça? C'est pas compliqué. J'ai retrouvé la Game Boy de mon enfance. On va en parler de ça parce que c'est assez rigolo. Et je mets des piles dedans. Je me dis, je vais me faire un Tetris, quoi. Tranquille. Et elle marche pas, elle s'allume pas. Je dis, bon, bah, je vais déjà démonter. En fait, il y avait un petit problème. Il y avait une soudure qui était un peu foireuse. Et une fois que je l'ai rallumé, j'ai vu qu'il y avait plein de lignes verticales sur l'écran, c'était immonde. Du coup, je vous ai tourné aussi, en fait hier, j'ai tourné un tuto pour une manette NES qui déconnait. J'ai tourné aussi un tuto pour ça, ce qui fait que, mis à part le tuto que je vous ai montré aujourd'hui, j'en ai encore 5 dans mes cartons, qui sont tournés et montés. Donc j'ai les 5 là dans mon PC. Donc pour les 5 prochaines émissions, il n'y aura peut-être pas dans les 5 prochaines émissions à chaque fois un tuto, mais... Alors, qu'est-ce qu'ils me veulent ? Mon travail, tu prends 10 pièces, certes avec sagesse, d'accord, parfait. C'est un peu, tu passes par la case départ et tu touches 20 000 francs. Par contre, je suis hyper loin sur la carte. Ça, c'est pas bien. Tu t'es acheté une N64FR pour la modifier en RGB officiel, tel que c'était prévu au début. J'ai vu justement que ces mods existent. J'en ai encore pas réalisé un seul. Mais ça peut être aussi... Comment dire? Il te manque l'adaptateur secteur, car niveau pile, ouais, c'est la merde, je me doute. Ok, donc le mode N64, je pense à réaliser un jour. Alors, je lirai ta question après, Radus. Lâche le coffre au trésor dans le tube pour le faire tomber, d'accord, ok. Est-ce que quelqu'un... Ok, donc en fait, t'as le truc en noir et blanc, les sons déconnent. Ça peut venir du câble, ça peut venir de ta télé aussi. Là, hier, on m'a filé une... Ah, pas hier, avant-hier, une Famicom à vérifier. On me disait que l'image était en noir et blanc. C'était d'ailleurs ce monsieur Pierrot hein, qui était dans le chat tout à l'heure. Et en fait, la console, ben, elle marche, mais il n'y a pas de son. Parce qu'en fait, la plupart des télé modernes, où tu peux afficher l'image en NTSC, mais le son, lui, est apparemment sur une fréquence un peu bizarre. Ouais, effectivement, il faudrait peut-être essayer sur un écran peut-être un peu plus récent. Maiden Cloud a raison. C'est le problème aussi des imports, quoi. C'est où t'as la console d'origine, entre guillemets, qui était prévue pour faire passer le jeu dessus. Où tu l'as fait modifier, là... Faut voir si ça va passer l'épreuve du temps. C'est pour ça que moi, les modifications... Je suis pas très pour les réparations, oui, quand c'est nécessaire, mais les modifs. D'ailleurs, parlons de ça, j'ai dans mes cartons aussi un truc que je veux faire depuis longtemps. C'est installer un écran rétro-éclairé dans une Game Boy première génération, dans les DMG. Donc, installer un backlight, je pense que je vous le ferai dans les prochaines semaines. Ça, c'est trop un truc que j'ai envie de faire. Ah oui, d'accord, Radus, tu as utilisé un adaptateur, d'accord, ouais, les adaptateurs 64, faut savoir que c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Au point que j'ai quelques imports, les LCD, c'est pas censé être compatible avec tout, en fait, hein, Maiden Cloud. Ah, mais là, mais attention, il y a des gens qui sortent les vrais jeux. Là, je vois Moa qui sort son Final Fantasy. J'ai vu quoi aussi avant qu'il y avait des trucs aussi stylés. Malheureusement, le problème, c'est que si je clique, voilà.
Ouais, il y a du lourd, hein. Voilà, je regarde ça après, les amis. Oui, pour le coup, je veux pas me laisser avoir. C'est par là où il faut aller. Du coup, c'est pour ça que tu penses que c'est le câble. Tu as mis quel câble? Est-ce que tu as mis le fameux câble Péritel de la Super NES? Si c'est le cas, l'image noir et blanc est sans doute logique. Faut foutre un câble, dans le doute, mais un câble de GameCube. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te conseiller. Dans le doute, un câble GameCube. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs aujourd'hui. Pour pas m'embêter avec ça, dans le doute, le câble GameCube. Va vite, il y a un champignon, même couleur que le drapeau de Todd. Si tu es trop lent, les champignons, ok, d'accord, ok. La plus grosse dépense, Majora's Mask. Ouais, je l'ai trouvé en boîte il y a quelques temps. Oh, désolé, tapé dans le micro. Ah, c'est bien moi, ça. Les imports sur 64, moi, je trouve que les artoirs sont magnifiques. J'en ai quelques-uns. J'ai le Yoshi aussi, qui est très bien. Essayez avec le câble GameCube. De toute façon, c'est compatible. Ouais, branche-le pas avec l'adaptateur Péritel. Oui, c'est vrai que Moa a chopé un Pulseman il n'y a pas longtemps. Bon, il est vrai qu'en 64, j'ai pas énormément de jeux. Hein. Mais tant que t'as qu'un câble GameCube, tu le branches directement sur la télé, sur l'adaptateur. Et... Moi, ça fait partie des seules pistes que je vois aussi, et apparemment, je suis pas le seul à penser ça. FF6 sur GBA 9. T'as cru comprendre, c'était pas mal, ouais. Après, ces histoires de jeux neufs sous blister, vous savez très bien ce que j'en pense. J'en ai quelques-uns de blister, mais c'est vraiment des trucs sur lesquels je suis tombé un peu au pif. Ah, il me vole encore des pièces, lui. Wow. Bon, je suis toujours premier au niveau des pièces. Ça gère. Donc, vous voyez, pour le début, ben, j'ai toujours pas cassé mon joystick. Après, certaines mauvaises langues vont dire « Ouais, mais c'est normal, ton truc, il est neuf. » FF6 GBA, une contrefaçon... Alors, les contrefaçons GBA, les bootlegs, c'est une plaie. C'est une plaie. C'est hallucinant. Les plus communs étant les bootlegs Pokémon, Ruby, Saphir, Emerald. Eux, c'est les... C'est le cancer de la collection GBA et c'est même le cancer du mec qui va acheter un jeu Pokémon sur GBA. Alors appuie sur A et Z l'un après l'autre pour faire éclater le ballon de Bowser. Ok. D'accord. On va voir. On va voir. Oh, FF8 GBA. Oula. D'accord, monsieur Chou, c'est bien, mais... Ah ouais, mais il y a un rythme à choper, j'ai pas le rythme. Ah bah oui, c'est ça. Je l'ai trouvé à la fin, le rythme. Eh bah oui. Skies of Arcadia GameCube aussi, ouais, celui-là, il y a un peu... Gratuit, grâce à ta carte de fidélité Ultima. Bien joué, bien joué. Du coup, pendant que j'y suis, bah dans le chat, vous allez me dire ce que vous voulez comme tuto la semaine prochaine. Donc, j'ai dans mes cartons un tuto réparation de Game Gear. Un tuto de réparation de Game Boy avec l'écran avec les lignes horizontales. Un tuto sur une manette. On va prendre l'exemple d'une manette de NES où la direction fonctionne plus. Et qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Je sais plus.
Je sais plus. J'en ai encore un autre. Alors, au vu du dernier tweet, faites gaffe, faisiez gaffe quand même actuellement au bootleg en fait du Final Fantasy 1 sur NES. Ça c'est l'enfer. Voilà, on va payer. Le tuto manette intéresse. Un tuto pour réparer une manette PS2. En fait, c'est valable pour tout dès l'instant en fait que la direction de la manette ne fonctionne plus ou le bouton. Dans l'idée, c'est à peu près le même truc. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme tuto? Je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai réparé? Merde. Le tuto, je sais plus, ouais. C'est un peu ça. Merde, mais c'est quoi? C'est dingue, ça. Salut, Dark. Wouah, c'est quoi ça? Non, mais me dis pas que ça m'a encore remis dans un endroit improbable de la carte. J'ai bien l'impression que si. Enfin, de toute façon, dans quelques temps. Un tuto pour les manettes Master System, bah, ça peut s'appliquer, hein. Généralement, c'est la même cause. En plus, c'est assez simple à réparer. Hein. J'avoue, il faut quoi? De l'étain, un morceau de fil, du flux pour soudure. C'est l'affaire de 5 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais c'est chiant, ça. Ça, c'est chiant d'avoir une mémoire comme ça. Ok. Ok, d'accord. Dézonage de NES. Merci, Camus. Heureusement qu'il y en a un qui a un cerveau, hein, parce que... Ah, il fallait se faire toucher ou fallait pas se faire toucher? Pas tellement compris. D'accord. Donc voilà, donc dézonage de NES. Réparation de manette. C'est pas vrai. Réparation Game Gear et l'écran Game Boy. Voilà, on va y arriver. Donc dites-moi un peu ce que... Dites-moi un peu ce que vous voulez, dans l'idée. Et puis du coup, on le diffusera la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, ce sera certainement une émission un peu chargée. Parce que nous aurons un invité. Qui est un collectionneur. Je dirais pas exclusif à la Neo Geo, mais quelqu'un qui collectionne principalement de la Neo Geo. Faut voir si ça va se faire. Au cas où ça se fait pas, j'ai prévu un plan de secours. Mais bon, il m'a donné son accord hier, du coup. Dézonage de NES. De côté, il y avait le tuto manette. Changer les sticks PS2, en fait, c'est assez simple. Hein. Il suffit d'ouvrir la manette, le stick, il est juste emboîté. Le tuto anti-reboot Dreamcast, j'ai fait, en fait, la cause principale. Après, il y a deux autres causes. Il y a le ventilateur qui ne fonctionne plus. Et il y a ensuite le problème de pâte thermique sur le processeur. Bon, problème de pâte thermique... Ça, je pense qu'il suffit de démonter, remettre la pâte thermique. Après, changer un ventilateur, ça demande pas énormément de skill. Puis dans 5 minutes, on va envoyer la deuxième page de réclame. Ah bien, allez-y, hein. N'hésitez pas à bourrer le hashtag guide collectionneur. Renverse la tour, fais glisser la carapace pour voir l'image cachée sous la case. Ok. D'accord. On va voir. D'accord, ok. Ça a l'air assez rigolo. Voilà.
Ah mais non, je me suis fait avoir par par Peach, ouais. Je m'en suis douté. Waouh, c'est quoi cette horloge Mario? Waouh, c'est stylé ça. Waouh, ça c'est stylé. C'est plus stylé que mon horloge de bureau Sega. Ça c'est stylé. Après, pour les fameuses cartouches bootleg GBA, tu peux avoir le sigle Nintendo même sur le bootleg. La seule façon de voir véritablement si c'est un bootleg, c'est de l'ouvrir. Voilà. Après, vous prenez pas au délire s'il y a une pile dans Pokémon... Ruby, Émeraude, Saphir, faites gaffe parce que dans les remakes de Rouge Feu, dans Rouge Feu Vert Feuille, il n'y a pas de pile dedans. Je vous le dis parce que moi, là, pas longtemps, on m'a filé un Rouge Feu à réparer. Et du coup, je me suis fait avoir. Ça me fait penser que je vous ai pas parlé des achats de la semaine. Par exemple, Pokémon. Donjon Mystère, équipe de secours rouge complet, dans l'état super, 10€. Et Black Manta sur NES, complet aussi. Je crois que je l'ai payé 20, celui-là. Alors là, j'ai officiel, ouais, je me doute. Déjà, c'est le logo qu'il y avait à l'époque sur les cartes Panini Mario, si ma mémoire est bonne. Je dis si ma mémoire est bonne parce que je sais que une fois, j'avais été acheter un jeu chez Milo & Chibi et ils avaient récupéré, en fait, des boîtes, en fait, de cartes Panini et ils m'avaient filé une pochette. En fait, je crois que je l'ai encore. J'ai jamais ouverte. Et je crois qu'il y avait ce logo, le logo comme ça dessus. Le pendant chez Sega de ce truc n'existe pas vraiment. Et par contre, moi, j'ai une horloge de bureau Sega que j'ai chopée il y a 2-3 ans. Ça traînait sur eBay Allemagne. Je vous le montrerai un jour, c'est assez sympa. Faudrait que je retire la pile dedans parce que la pile est morte. C'est en fait une vraie horloge de bureau. Et elle est toute en verre. Et sur le verre, c'est gravé Sega, mais c'est assez bien foutu. Et paraîtrait-il, j'ai montré à quelqu'un qui... Ok. J'ai montré à quelqu'un, en fait, qui s'y connaît un peu en horlogerie. M'a même dit que c'était apparemment une marque assez sympa. Ça sent le truc où je vais finir dernier. Mais bon, ouais. Ça servira un peu de mise en bouche avant de jouer à Mario Kart 64. Je cherche un néon Sonic. Ça doit exister. Je sais que les néons Nintendo, ça se trouve. C'est parfois cher, hein. J'en ai un, j'avoue que c'est pas donné. Combien coûte une manette NES aujourd'hui? La tienne bug, justement, bah, j'ai fait un tuto là-dessus. Je pense qu'à C4, on le diffusera. Ah non, on revoit la Caroline 62, ça y est, je vais encore me faire appeler Coluche pendant la prochaine demi-heure. Donc une manette de NES, tu peux en trouver entre 5 et 10€, on va dire. Il fut un moment où pour 1€, ça se trouvait, hein, les manettes NES. Ouais, vas-y. Vous avez tellement bourré le hashtag guide collectionneur, il va falloir que je regarde ça après l'émission. De toute façon, dans 2 minutes, on va envoyer la pub. Alors attendez, qu'est-ce que ça dit? Il y a même marqué le numéro 2002 Nintendo AGB. Ça, en fait, dans l'idée, même sur les bootlegs, c'est marqué. Ça, même sur les contrefaçons, c'est marqué. Ce qu'il faut, en fait, c'est tout simplement ouvrir la cartouche et regarder vraiment ce qu'il y a dedans. Hein. Ça, je vous le dis. Oh! Allez, histoire de pas se mettre en retard pour la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer la pub tout de suite. Et on revient après, ben, pour du Mario Kart 64. Donc, pour ceux qui ont quitté le T1 Mario Kart, il y en aura toujours. Mais sur 64. Allez, à tout de suite!
De retour pour cette troisième partie du guide du collectionneur. On va jouer donc à Mario Kart 64. Alors par contre, j'ai les bandes noires. Ouais, sur ma télé là-bas aussi, donc bon. Désolé. En tout cas, j'ai pu regarder un peu le hashtag durant la pub. J'avoue que vous avez été prolifique aujourd'hui, hein. Ok, donc en fait, dans le FF6 Advance officiel, il n'y aurait pas de pile de sauvegarde. Ce qui est très possible. Dans l'idée... Après, il est vrai qu'une pile de sauvegarde coûte quand même beaucoup moins cher qu'une puce, en fait, qui permettrait de sauvegarder qu'une mémoire flash. Ça, il faut l'admettre. Oh, on va jouer Mario. Le moustachu. Ouais, tranquille. Non mais je te crois parfaitement. J'en ai jamais eu un réparé de Final Fantasy VI Advance. Donc dans l'idée, t'as sans doute raison. Alors par contre, attendez, excusez-moi. Voilà. Parce que il faut savoir que si je laisse le player Dailymotion tourner, le PC va planter. Alors quelque part, il vaut mieux prendre une ou deux secondes. Ah, ça c'est moi, ma marque de fabrique, ça. Vous voyez, niveau précision, j'avais aucun mal à suivre la ligne dans le virage. Voilà. Mais comment ils ont fait pour me suivre? J'avais 3 champignons. Ça veut rien dire. Ah, tu n'as pas compris pour ma phrase? C'est encore les pubs? Pourtant, j'ai plus de pubs depuis un petit moment. J'ai juste le player qui s'est relancé une fois, mais... Ah, c'est pas du 200 cm cube, ça c'est clair. Je suis deuxième, mais il est Ouah, il est super loin, Todd. On va essayer de pourrir ceux qui sont... Ah ouais, non. Ouais. Ouah, l'ancienne Sonic, elle est stylée. Ah, je regarderai ça à la fin de la course. Failli manger la carapace bleue. La carapace verte. Après, je sais que Mario Kart 64 est un jeu qui a un peu mal vieilli. Mais moi, c'est un jeu que j'aime toujours jouer. Oula, par contre, m'embrouille pas, toi. M'embrouille pas, voilà. Reste tranquille. Est-ce que ta Game Gear fonctionne? Ouais, il y a une Sega Nomade, on dirait. On dirait qu'il y a une Sega Nomade sur la photo de Mammouth. C'est stylé. Par contre, j'ai pas le temps de voir ce tweet. Oula, ouais, les imports et les jeux Virtual Boy, ouais. Stylé. Ouais, l'enseigne, je... Ah, problème, ouais. Je vais pas retweeter tout de suite, mais je retweeterai après. Ça, il y a... aucun problème. Est-ce qu'elle fonctionne, ta Sega Nomade, Mammouth? Parce que c'est le même, en fait, c'est le même genre de tutoriel que dans les manettes Game Gear pour les réparations.
Alors après, je crois qu'on va me poser la question. Quel est ton Mario Kart préféré? Le double dash, celui-là arrive en 2, et le Mario Kart Wii en 3. Le double dash, pour moi, c'est tellement, tellement meilleur jeu de la Terre. Le seul Mario Kart qui est vraiment très mal vieilli, c'est celui sur Super Nintendo. Après, ce n'est que mon avis, hein. Vous n'êtes pas obligé de... de respecter les conneries que je dis. Ça, c'est... Non, non, non. Je l'ai vu venir. C'est pas grave. Voilà. Ah, mais zut. Oui, c'est vrai que double dash, y a pas de battle mode. Mais le genre lui-même, il est tellement sympoque dans l'idée. J'avais déjà expliqué qu'il y avait tellement moyen de faire des trucs très sympas dans double dash. Surtout quand tu joues avec des gens qui jouent pas d'habitude aux jeux vidéo. Tu les mets en seconde place sur le kart. Et à chaque tour, en fait, tu fais le changement. Ça fait que t'arrives à un petit équilibrage du fait que ceux qui jouent pour la première fois au jeu ou qui ont pas l'habitude de jouer aux jeux vidéo, et ben dans l'idée, ils vont jouer au moins un tour. Ou alors tu décides d'équilibrer, tu les fais jouer deux tours. Et pendant deux tours, le joueur expérimenté fait le sniper. Non ! Enfin, troisième c'est déjà pas mal quand on n'a pas joué depuis longtemps. Ouah, l'horloge Mario, 150€ sur eBay, putain. C'est violent. Et l'Argus, ah oui, tiens, l'Argus de ce Mario Kart 64. Hop, parce que j'ai pris des notes, autant s'en servir. Oh, quand même, entre 20 et 25€, hein. Ah, salut Flo. Si on a un champignon, on essaiera de faire le cut dans la course. Est-ce qu'il y a un cut qui est très sympa? Ah, je voulais pas passer là, t'es chiant donc. Ah, le deal le plus violent que j'ai pu faire moi sur un Mario Kart étant Mario Kart sur Super NES, Super Mario Kart donc, 10€ en boîte, la boîte en très bon état, enfin très bon état, en état, allez on va dire 3 sur 5 quoi. Ah, zut, il y avait le mur, c'est pas grave, voilà. Donc les Kong il se fait sabater depuis tout à l'heure. Ah, par contre, ouais, j'ai pas le champignon. Pour l'instant, le cut. Ah, il m'embrouille. Pff, ouais, j'ai réussi à sauter au-dessus de la banane. Je trouve quand même qu'à mon âge, j'ai des réflexes. Et après la course, on passera au concours pour gagner des jeux. D'ailleurs, après moi, vous retrouverez KD pour Retro Gamer Boy sur la famille Adams. Je sais pas sur quel jeu famille Adams, je présume le famille Adams sur Super NES. Celui que j'irai pas qu'on a tous connu, mais... J'ai voulu l'arnaquer. Ah bah ouais, ouais, ouais. Ça c'est moi ça. C'est pas grave, on va au moins pouvoir essayer le cut du coup. Ah non, bah non, bah non. Get out of here!
Deuxième, ça va encore. Rien que parce que tu m'as appelé Coluche, Caroline 62, si c'est toi qui gagne, le jeu, je le mange. En direct. Le site Argus Jeux, perso, je trouve qu'il y a des trucs absurdes dessus. Je connais un peu, ouais. Mais bah, après, je sais pas si c'est eux qui mettent l'Argus vraiment du jeu, ou si c'est un algorithme, et dans quel cas, l'algorithme, peut-être qu'il est pas... Je sais pas. Après, je juge pas vraiment les pratiques de chacun. Vous savez, le rétro gaming, c'est tellement un milieu qui est bizarre. Le plastique avec de la moutarde, je suis même pas sûr que ça passe. Hop, voilà. Démarrer la course. Et du coup, quel jeu a gagné? Justement, il y a du Punch-Out sous Blister sur Wii. Il y a du jeu PlayStation 1. Il y a du jeu Super NES. Il y a un petit jeu Game Boy. Je vois quoi? Il y a encore un petit jeu Mega Drive bien sympa. Et du jeu Saturn. Allez, du coup, par contre, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je... coupe le son, voilà, ici, et qu'on passe sur la scène concours. Alors, je baisse le son. De quel jeu est issue cette musique? Donc, c'est pas compliqué, vous envoyez la réponse, uniquement la réponse, à l'adresse leguideducollectionneur@gmail.com. Ne mettez pas la réponse dans le chat. Je le dis parce que je sais que beaucoup le font. Allez, je vous laisse encore quelques secondes. Ouais, c'est vrai que c'est dur, j'avoue. C'est surhumain. Le chipset, ouais, c'est forcément un jeu Game Boy. Et c'est un jeu, je pense qu'un jour on fera un spécial sur cette série et je vous expliquerai pourquoi je ne veux plus jamais de ma vie rejouer à ce jeu. Pourtant, je l'adore, hein, c'est un de mes jeux préférés. Mais je ne veux plus, je ne veux plus y rejouer. Je vous expliquerai un jour pourquoi. Allez, on retourne.